Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va regarder d'abord notre oracle. Nous avons le Bénou avec notre oracle des messagers égyptiens. Bénou vous annonce l'apparition de quelque chose de sacré, de rare et de précieux. Je pense que c'est important qu'on partage ensemble cette petite lecture parce qu'il est important que vous entendiez certains mots. Vous êtes porteur de chance. La réussite est facilitée et les opportunités apparaissent. Bénou fait rayonner sa lumière bienfaisante sur vous et vous accorde prospérité et longévité dans la vie ainsi que dans vos engagements. Le retour est également favorisé. Vous êtes sur le point de retrouver un être cher ou de revivre une situation que vous appréciez. Enfin, tel Bénou, vous savez renaître de vos cendres et repartir avec facilité malgré les difficultés que vous traversez. J'ai l'impression que ce petit message va s'adresser à des gens qui ont des soucis assez compliqués à gérer. Avec ça, regardez, vous avez l'as de bâton, parce qu'avec Bénou est arrivé l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'une opportunité qui arrive, qui est passionnante, qui est vibrante, qui est éveillante, qui est réveillante. Avec ça, vous avez l'as de coupe. Effectivement, ça nous confirme pleinement cette idée qu'il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Vous ne les voyez pas arriver. Vous avez la lune. Vous n'arrivez pas à voir tout ça parce que c'est compliqué, je pense, pour vous puisque votre mental est préoccupé. On va voir dans la suite de notre tirage, mais la lune nous dit que pour votre mental, il y a quelque chose qui est délicat, qui est difficile, qui est compliqué. As de coupe, as de bâton, Bénou, les trois arcanes, dès le départ, vous disent quoi? Que les choses vont changer, et les choses vont changer vers le mieux. Parce que regardez ce que nous avons. 5 de denier, et vous avez le diable. Dans la matière, des difficultés, rien que des difficultés. Et vous avez ici le diable qui nous parle d'auto-sabotage, qui nous parle de situations compliquées à gérer, qui nous parle de toxicité, qui nous parle des choses très compliquées dans la matière qui deviennent insupportables. J'ai oublié et je n'ai même pas vu correctement trois as. As de coupe, as de bâton, as d'épée. Il nous manque plus que l'as de denier. Là, mentalement, vous êtes nouveau. Dans la matière, vous pouvez agir. Dans la réalité, vous pouvez agir. Et enfin, votre émotionnel est purifié. Tout ça, il faut juste, entre guillemets, juste, attendre l'opportunité dans la matière pour revenir vers quelque chose d'équilibré, pour revenir vers quelque chose où vous allez retrouver la force et la puissance dans une situation. Si vous voulez, vous, votre énergie sera déjà purifié et sera libéré. Vous avez quand même, avec cette as d'épée qui m'avait échappé, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de la rapidité. Vous allez très vite comprendre certaines choses. Vous allez très très vite saisir quelque chose. Vous allez très très vite et très rapidement initier des démarches. Parce que je pense que là, vous êtes mûr, vous êtes prêt, il n'y a plus d'obstacles. Tous les obstacles ont été abattus devant vous. Abattus par quoi? Par l'univers. Pourquoi? Parce que vous avez passé par un moment de souffrance intense. 10 d'épée nous dit que mentalement, il y avait quelque chose d'inacceptable. Qu'il y avait quelque chose de difficile, qu'il y avait quelque chose de compliqué parce que ça provenait de la matière. Et dans la matière, c'est peut-être pas encore terminé. Peut-être dans la matière, c'est encore compliqué. Mais la justice va intervenir, qu'elle soit celle des hommes ou la justice divine, quoi qu'il en soit, ça va vous libérer de ce 10 d'épée. Et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir, parce que vous avez cette mental qui a été vraiment dépassé par une situation. Vous avez été dépassé par une situation dans la matière. Mais je crois qu'arrive vers vous, mais sous les chapeaux de roue, quelque chose qui va
Libérez votre mental, donc il y a d'abord une libération du mental. Vous vous débarrassez de ce diable et de cette énergie toxique. Vous allez ensuite pouvoir agir en accord avec votre cœur parce que le cœur est nettoyé. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive qui va vous libérer et je pense qu'il va au final vous attirer une belle, belle opportunité. 6 d'épée. On s'apaise, on est dans le calme, on est dans la traversée, dans la transformation. Donc il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir encore. Parce que dans la matière, cet as de denier nous manque. En fait, c'est le seul qui manque ici et qui deviendra réalité pour vous et qui vous permettra de voir la réalité. Vous avez ensuite le 7 de bâton. 7 de bâton nous dit que vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Alors attendez, je crois que j'avais bien échangé les deux. Ben dis donc. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. L'as de coupe, il était avec la lune. Et là, on avait ça. Oui, as de bâton. Donc, l'as de bâton nous parle effectivement d'un apaisement. Et vous avez le 7 de bâton. Tout ça nous parle que, à travers vos émotions, c'est pour ça que c'est important de savoir à quel endroit était quelle carte, en fait, avec les émotions, vous allez percevoir. Il y aura beaucoup de perceptions. C'est pour ça que c'est la lune. Parce que vous n'allez pas toujours avoir les mots pour l'exprimer. Vous n'allez pas toujours pouvoir le dire. Parce qu'il y a beaucoup de ressentis, de pressentis ici. Ça reste encore dans l'ombre. 9 de denier. Donc vous ne pouvez pas tout à fait le matérialiser encore. Parce que vous êtes, avec la mort de tout à l'heure, encore dans cette idée de transformation. Vous êtes encore dans cette idée de changement. 5 de coupe. Regardez-moi ça. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Donc si, parce que tout à l'heure j'ai dû lire le petit texte, parce que je pense qu'il était important que vous entendiez certains mots. Donc n'hésitez pas à réécouter les mots, parce que ces mots vont résonner avec votre cœur. Et peut-être que votre mental ne comprendra pas tout de suite. Peut-être vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que ça raconte? Mais avec le temps, ça va devenir clair. Parce que là, votre émotionnel et surtout votre mental est embrouillé. Embrouillé par la difficulté et par la situation qui est compliquée. Chevalier de coupe. Par contre, ça avance vite pour que vous sortiez de cela. Et vous allez sortir parce que ce 6 d'épée nous le dit. Nous le confirme qu'il y a une transformation. Et je pense que ça va très très vite. Vous avez le page de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose au plan mental qui permet de libérer le cœur. Qui permet de libérer l'émotionnel. Waouh! Le soleil, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. N'oubliez pas, si ma mémoire est bonne et si je me souviens bien du texte, il disait que vous alliez vers votre lumière. Et on le sent là, que vous allez vers votre lumière. 8, la justice. On a le 4 de bâton. C'est au plan d'un groupe de personnes que ça va se rectifier, que ça va s'apaiser, que vous allez avoir un équilibre, que vous allez être beaucoup plus confortable vis-à-vis des autres. Parce que je pense que peut-être matériellement, vous n'étiez pas tout à fait confortable dans une situation. C'était quelque chose qui était compliqué à montrer aux autres, peut-être aux membres de votre famille, à vos amis. Mais là, je pense que vous allez être beaucoup plus à l'aise face à ces personnes. Oui, vous allez être beaucoup plus à l'aise. La tempérance. En fait, il y a cette guérison qui se fait. À l'intérieur de vous, il y a une guérison qui se fait. Chevalier d'épée. Par une information grâce à une information, grâce à une connaissance, grâce à une prise de conscience qui vous mène vers la libération et qui vous libère en fait d'obstacles. Vous voyez très très loin là, avec votre cœur. C'est pour ça que c'est peut-être important et je ne sais pas pourquoi ça insiste encore, réécoutez le texte. Apparemment dans le texte vous avez des mots qui vont apaiser votre cœur. Vous avez la lune encore. Là, la toxicité, vous ne voyez pas encore la sortie et la libération. Vous avez la force. Mais ça va se faire. En fait, vous allez dépasser, vous allez trouver la force en vous, l'intuition. Et toute cette force de l'intériorité qui va dépasser ce 5 de coupe. Parce que c'est à l'extérieur que ça ne va pas. Et en fait, ça vous pourrit la vie. Hein, je dis tel que ça vient. Pourtant, de très bons fruits, de bons résultats vous attendent, mais malheureusement, vous ne les voyez pas pour l'instant, parce que vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez le 8 de denier. Super. Vous allez pouvoir travailler en comprenant quelque chose, en prenant conscience de quelque chose, vous allez pouvoir travailler. Ça va être juste le début, parce que vous avez ce page de coupe qui nous dit c'est juste le début. Et par contre, ça va réveiller cette reine de bâton en vous, c'est-à-dire cette confiance en soi, et plus vous allez vous ouvrir, je pense, à votre intériorité,
à cet inconscient, à ces synchronicités, plus votre mental va s'apaiser. Parce que là, mentalement, vous ne pouvez pas gérer quelque chose. Ce n'est pas possible. Vous avez le 5 de bâton. Il y a beaucoup trop de disputes. Est-ce que ce sont des disputes avec vos amis, votre famille, avec des gens qui comptent pour vous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disputes, en fait, qui vous conduisent à ne pas montrer réellement ce que vous ressentez. Alors, je vais vous dire ce qui vient. J'ai l'impression que ces gens ne vous font pas suffisamment confiance, ou vous ne leur faites pas confiance. Il y a un problème de confiance, là. Ah oui, la reine de deniers nous dit que ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser et c'est pour ça que ce 4 de bâton nous disait ça va se calmer, ça va s'apaiser, vous allez être beaucoup plus dans quelque chose de maîtrisable. Oui, facile pour vous. J'ai l'impression que pour vous, pour l'instant, vous avez besoin d'être dans votre propre cocon parce que là, c'est dur. Il y a un groupe là qui vous pourrit la vie. Hein. Ah oui, là, plus j'avance, plus ça vibre. Alors, vous avez ensuite... L'empereur. Ne soyez pas buté. Voilà ce qui vient, la première phrase qui vient, ne soyez pas buté. Chevalier de bâton, allez-y avec les courants énergétiques. Laissez-vous aller, laissez-vous guider, notamment par les synchronicités. Ne soyez pas buté. Je dois vous le dire et je le dis tel que ça vient. Soyez ouvert à la nouveauté. 5 de coupe, non mais impressionnant, 5 de coupe. C'est exactement la même énergie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une souffrance. Et on a page de bâton. Cette souffrance sera dépassée grâce à cette opportunité qui vient vers vous d'agir, de faire. Vraiment, vous devez faire quelque chose. Il faut agir, faire. Mais cette action, en fait, va vous demander d'être apaisé, calme et surtout de prendre du temps pour vous. Parce que là, il y a trop de personnes. Je ne sais pas pourquoi de ce côté-là, il y a trop de personnes. J'ai l'impression qu'on vous fait des reproches, qu'on vous dit plein de choses. Enfin, c'est vraiment compliqué. Ben, je comprends pourquoi le diable, hein, d'un coup, là. Waouh. Essayez de prendre du temps pour vous. C'est important. Ce serait important. Jugement. Au plan émotionnel, il y a une transformation, il y a un éveil. Et c'est pour ça que la reine de bâton va ressortir. C'est-à-dire que vous allez retrouver de l'énergie. Mais il ne faut pas rentrer dans quelque chose de trop buté. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, si je peux dire ainsi. Chevalier de denier. C'est une transformation quand même qui doit se faire tranquillement. Parce que je crois que c'est quelque chose qui va toucher plusieurs sphères dans votre vie. Et vous avez besoin... De digérer tranquillement, parce que c'est compliqué là. Là, avec ces personnes-là, c'est super, hyper compliqué. Ah oui, oh là là. Oui, c'est compliqué. Peut-être que même vous avez besoin de la justice, parce que ce chevalier de d'épée, tout à l'heure, nous parlait de la justice, nous parlait surtout des démarches, pas de justice, de démarches. Et là, on a la justice. Alors, je ne sais pas. Vous avez chevalier de coupe qui dit... Émotionnellement, c'est instable. Ça bouge dans tous les sens. Waouh! Enfin, vous êtes presque en train de perdre pied dans cette affaire. Oh, mais non, les gens sont trop là. La reine de coupe. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Je vais vous le dire très clairement. Parce que les autres, j'ai pas l'impression qu'ils s'en préoccupent vraiment des dégâts qu'ils sont en train de créer par leurs disputes, par leurs échanges, par je ne sais pas ce qu'ils font là. Mais c'est trop, oh là là. Je ne sais pas pourquoi, je ne vous connais pas, mais j'ai une colère de folie là, contre ces personnes-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes pris dans quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous êtes pris dans quelque chose qui n'est pas à vous. On vous empêche de faire ce que vous devez faire pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin de la tempérance, vous voyez. Par contre, quand je vais vers la tempérance, je me calme. Et ce 5 de bâton, waouh, ça me fait mal à la tête. Le pape. Il faut être dans une croyance. L'empereur n'est pas dans la croyance. Il est vraiment terre à terre, l'empereur. Et là, vous avez le pape qui vous dit il faut quand même ne pas perdre de vue qui vous êtes réellement. Et ne perdez jamais de vue, en fait, ce que vous avez, vous. Parce que dans le 4 de bâton, on a cette idée que quelqu'un est en train de dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle vous raconte, pas elle, au sens une personne, c'est plusieurs personnes qui vous racontent ça et qui vous traumatisent. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de traumatisme. Et pourtant, je suis persuadée que vous êtes une personne adulte. Mais j'ai l'impression ici qu'on éveille peut-être un traumatisme du passé par le comportement qu'on a vis-à-vis de vous. Tout ça pour vous dire que vous avez 6 d'épée 2 fois. Donc, soyez serein, calme. Croyez, c'est la croyance qui va vous permettre de sortir de cette
Méchanceté, je ne peux pas dire autrement, c'est venu comme ça. Vous avez le monde, super, ça va se terminer. Et le fou, le monde le fou. Écoutez, le nouveau cycle vous attend. Encore heureux, parce que là, c'est dur. Oh là là, compliqué, hein. Vous avez la force, encore une fois. Et la force, vous l'aviez tout à l'heure aussi. Chevalier d'épée. La force, c'est dans votre capacité de prendre conscience, de comprendre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne là, dans ce groupe, et que vous payez les pots cassés pour des gens qui ne le méritent pas. J'ai dit d'une traite parce que c'est venu comme ça. Ah, c'est dit. Et j'ai l'impression qu'il vous faudra entamer des démarches pour vous protéger. J'ai vraiment l'impression, parce que chevalier d'épée vibre constamment, il faut faire des démarches. 6 de coupe. Ces gens, ces disputes, éveillent un traumatisme qui existe déjà. C'est pour ça que c'est difficile pour vous d'être dans le discernement. C'est difficile pour vous de voir clairement les choses. 5 d'épée. Waouh. En fait, il vous rappelle une situation où vous aviez été très, très malmené. Très malmené. Je ne sais pas pourquoi, mais ces gens et cette dispute éveillent quelque chose. Oh, le diable qui a sauté, je peux vous dire, il est parti de l'autre côté de la table. Le diable, c'est très, très toxique là. C'est très toxique et ça vous influence. Et vous avez le fou, super. Le fou, on l'avait tout à l'heure aussi, mais en d'autres decks. Ça veut dire que ce n'est pas encore là, mais ça va venir. Il faut d'abord mettre un terme à cette situation toxique pour pouvoir en fait avancer, progresser. Je vais prendre un autre jeu, parce que là, c'est trop dur. Et je pense que pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais essayer de voir avec vous. On va voir ensemble ce qu'on peut avoir sur ce diable. Comment se débarrasser de ce diable et comment se débarrasser de cette énergie toxique? Comment se déchaîner, c'est-à-dire comment rompre les chaînes? 6 de denier. Il faut aller chercher de l'aide. De l'aide qui va respecter en fait votre cœur, vos émotions. Vous avez besoin de respecter vos ressentis. 9 de coupe. C'est dans un groupe, il faut aller chercher du soutien dans un autre groupe de personnes qui va vous permettre et vous aider de éveiller, réveiller cette pureté du cœur, en fait, qui est cachée et gâchée, parce que le mot qui voulait venir en premier, c'est gâchée, qui est cachée et gâchée par ce conflit, par ces personnes. Et encore une dernière, 10 de bâton. Il faut lâcher prise, il faut lâcher l'effort. Vous n'avez pas à faire des efforts face à des personnes qui ne le méritent pas. Voilà. J'ai dit aussi d'une traite, c'est-à-dire, j'ai dit ce que je canalisais. Le fou. Alors ce fou, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la personne qui regarde ce message puisse impulser un nouveau cycle? 7 de denier. Prendre de la distance. Faire un bilan, pas tout seul, avec d'autres personnes. Parce que vous, ça éveille un traumatisme du passé, donc vous n'êtes pas en capacité de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité, dans la matière. 2 de coupe. Protéger son cœur. Protéger ce qui est à l'intérieur de vous. Ces personnes appuient là où ça fait mal parce qu'elles savent, en fait, elles ne le savent pas intellectuellement, elles ont votre aura, enfin, ils ont senti, ils ont compris où ça faisait mal et ils appuient exactement là où ça fait mal. Pas consciemment, mais inconsciemment. 5 de denier. Ne plus faire des efforts, parce que je crois que vous êtes le seul ou la seule qui fait des efforts. Ici, on vous dit, ne faites pas d'efforts, lâchez, 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 lâchez. Ok. Et 8 de denier. Ça, par contre, il vous faut faire un travail sur vous. Vous voyez, il y a beaucoup de deniers ici. En fait, on vous invite à revenir vers vous, de revenir vers votre passion, de ne pas croire tout ce que vous voyez, ou en tout cas de ne pas croire tout ce que vous entendez. C'est plutôt entendre, j'ai l'impression que vous entendez. Mais n'oubliez jamais, c'est important, n'oubliez jamais, la lumière viendra. Et je vous invite encore une fois, si vous êtes dans cette situation-là, si ce message vous a parlé, revenez au début du message et écoutez les mots, parce que les mots vont résonner avec votre inconscient, avec votre âme, avec votre cœur, et peu à peu vont faire œuvre pour que vous puissiez justement ouvrir les yeux sur une situation. Voilà, chers amis. Normalement, c'était un message court, mais de 20 minutes apparemment, mais je fais comme la vie le désire, c'est-à-dire, il fallait qu'on fasse un troisième, quatrième tirage, je l'ai fait pour vous.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.